السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'ai trouvé une sorte de passe parce qu'il l'a dans et là. Comment nous dire, ban devoir, ban qui j'ai besoin de lire. Ça aussi, Inch'Allah, nous pourrons prendre une fois que nous, une fois que nous terminons. Bismillah. Quand nous avons une posture dans la masse, dans la salat, veut dire que mon début, mon fait Allahu Akbar. Sa posture-là appelée Qiyam. Qama veut dire debout. Qiyam veut dire posture qui m'opère debout. C'est ça même qui nous habitait à entendre dans le mois de Ramadan quand il y a nous Qiyam ou Leil. Al-Leil veut dire la nuit. Qiyam veut dire debout. Donc, de là, on comprend que le Qiyam al-Layl n'est pas tassé au Ramadan. Ça. Même en dehors du Ramadan, si je peux faire le Qiyam al-Layl. Parce que n'importe qui l'est, je suis capable de debout devant mon robe dans le soir. N'importe qui la nuit. Je n'ai pas nécessairement besoin d'attendre la nuit du Ramadan. Nous venons faire Thana. Mazne namaz, c'est pas ça moment qui vient avant dîner là ça. C'est pas ça moment qui vient avant noël de Omila. C'est pas ça action qui vient grand-matin comment lever bizarre aller ou bien dans les des aînés ou bien quand fini travail. Non, namaz c'est ça acte d'adoration qui m'oblige à adorer mon créateur. M'oblige à faire ça. Quand on peut venir mazid Papa vient de Mazid pour dire pour nous jouer un camarade. Ensuite, ce qu'on a fini, oui, comment on finit, on rentre à Kamo Djinien une seule fois. Pas pour ça, pas ça. Namaz, je peux venir parce que moi, en tant qu'un croyant, qui est un seul Allah, façon qui m'a adoré mon créateur. Ça. Ben, les autres, je fais de différentes façons. Donc, un acte d'adoration, c'est une dévotion là-dedans. Veut dire mon besoin dévoué, veut dire mon besoin, mon l'écho, mon l'état d'esprit, tout besoin présent comme on peut faire lui. À partir de là, comme on connaît, qui c'est un de bons moyens qui m'ont pour converser avec moi, on commence par mon fin faire takbir, Allahu Akbar. Veut dire de là, je peux accepter avec toute conviction, c'est Allah même qui est plus grand. Sa conviction-là, vis-à-vis une haine de bon moyen qui m'oubliait tout quelque chose. Parce que tout quelque chose qui vient dans mon esprit, c'est petit. Pas ce problème, pas ce tracas, pas ce malade, pas ce enfant, n'importe quoi. Tout petit comparé à. Oh Allah, tout petit. Donc n'importe quelle chose qui vient de la tête, me rappelle moi-même, Allahu Akbar, Allah plus grand que toi seulement. Même Iblis. Quand il pense pour faire Hawa Swa Salah de la tête, comment on commençait, qu'il m'a dit, ah, Allah plus grand que toi. Il y allait comme ça, vrai. Sa acte d'adoration là, il commence par faire éloge. Proclame grandir mon robe. Ça même qui nous dit Thana. Nous faisons Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Faudrait que je peux tant ça, je peux comprendre ce que je peux dire. Faudrait que je peux lire dans la masse mon esprit avec mon la bouche. Qui m'a peut prononcer et m'a lequé a peut ressentir signification de sa man, phrase qui m'a la bouche peut prononcer là. Une fois qu'il m'a terminé, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, m'a demandé aide avec Allah comme protection contre shaitan et m'a dit Bismillahir Rahmanir Rahim, m'a comprend le nom d'Allah pour qui je peux commencer et aussi qui des noms qui attachés, c'est qu'il y en a beaucoup pitié.
À partir de là, comme on lit sur la Fatiha, presque 5 jours nous finissons avec lui, c'est qu'il m'en connaît qui c'est le moment incroyable qui est un serviteur, l'ingain comme cadeau dans Namaz, c'est qui de ce moment-là, il cause avec Allah, la cause avec lui. Mon connaît de ce moment-là, et n'a pas versé, et ban ayat comme au lire, qui répond à mon besoin pétant, avec mon croyance. Et mon connaît de ce ayat-là, et n'a versé, de ce surah-là, et n'a versé, et n'a ayat, comme au lire, li, mon robe dit à moi, sans honte, moins que toi ça. Personne ne parle entre nous. C'est comme on dit, il y a qu'un arbou, il y a qu'un astarine. Mon robe dit à moi, sans honte, moins que toi ça. Puis la personne qui rentre là dans ce terre. Ça privilège là, nous, là. Me demande ni la guidance et me donne ni, basant le sac qu'il lit, même lui, Allah finance et moi, concernant qui garde guidance pour me garder ban prophète, ban véridique, ban mortier, ban bon dimoun, comme mon compagnon. Ça chemin là que me demande toi, Allah. Et pas chemin. Ban qui te collait aux autres, ni ban qui n'égaré. Comme on peut dire ça, faudrait qu'il avant motan imam dit amin, ou bien avant mot dit amin, motan qui me robe dit à moi, ça pour toi, mais me donne toi ça qui te demande. Me donne toi ça qui te demande. Et ça, c'est quand? De premier rakat, de deuxième rakat, de namaz faraz, de tout namaz qui vous fait, ou lire sur la Fatiha, de tout inassa. Sans exception. Point de Michel, point de Madame, point de enfants, point de grand du monde, namaz faraz, namaz sunna, namaz avid, tout inassa. Sans qu'un doute, si ben namaz qui n'a plus qui des rakat, le deux premiers rakat, nous vous disons, il y a un petit sourd encore. Là, il retourne un petit guide, le nous, pour nous connaître signification, pour nous comprendre sa bonne sourate. Et Inch'Allah, dans le mois Ramadan, nous ferons d'accord pour prendre une petite sourate. Bon, quand on peut dire petit petit, c'est la longueur. Parce que toutes ces paroles Allah, et quand une sourate dit le Coran, faudrait qu'il pas longueur les petits petits, mais pas au poids, non. Pas longueur les petits petits, mais pas pour poids. Parce que toutes paroles Allah, c'est paroles Allah. Inch'Allah, dans le mois Ramadan, surtout le 10 premier après Fajr, ensuite devant samedi, dimanche, prends des prix sur Lumaza, qui est Attakathur Al-Qadira, Saban Surah, là, pour faire ce tafsir. Donc, nous prenons Saban Surah, nous assistons avec nous, ban premier et deuxième rakat, excepté qu'Inch'Allah, nous l'esprit pour voyager, frère. Mais c'est seulement qu'on ne peut pas rester réaméni qu'il y a un problème là. Pour aller, c'est un temps pour travailler. Mais seulement, tu vois, moi, ça continue là pour l'ordre d'Allah. Parce qu'il me comprend qu'il m'a fait là. Soit troisième ou bien quatrième rakat, soit premier ou bien deuxième, comme on termine, je sourd. Je connais, je suis obligé à faire une action qui appelle recours. Roko, c'est sa posture qui une personne lui courbe 90 degrés. À part si quelqu'un qui est malade, qui courbe 90 degrés, se délame, reste-le, se boit de genoux, se regarde, reste-le au place qu'il fait 6-2. Sa posture, Rokara, c'est Roko. Rasul sallallahu alayhi wa sallam de hadith li dit fa amma ruku, et quant à ruku fa azimu fihi rabb, fais ta'zim tu rabb, Allahu akbar, Allah plus grand. Appelle ça takbir. La ilaha illallah. Peine aucun ilah excepté Allah. Appelle ça tahlil. Alhamdulillah.
Tout éloge pour Allah, appelle ça tahmid. Subhanallah. Oh Allah, te sens défaut, te parfait, appelle ça tasbih. Chaque parole qui fait nous mazin Allah est un nom qui retourne l'oula. At-tarzim, c'est sa phrase, c'est sa parole qui aime serviteur. Dans le moment qu'il y peut faire l'adoration sur Rob, l'infini fait takbir quand il rentre dans la namaz. L'infini fait tasbih, subhanakallahumma. L'infini fait tahmid, alhamdulillah. L'infini fait tahlil, wala ilaha ghayruk. L'infini fait toujours dans la vraie. Pas qu'il reste. Parce que tant que nous restons vivants, nous avons fini faire éloge Allah. Mais qui vient? C'est ce moment qu'on te proclame grandir ton robe. Qui veut dire tarzim? Ravama, littéralement, quand nous objectif veut dire grand. Mais seulement grandir Allah, ici il retourne la création qu'il est fin faire. Alhamdulillah, basant le bon exemple qu'il nous finit donner auparavant. Par exemple, un appareil dialyse, mais quand on guette ou les reins, c'est un appareil dialyse, ça c'est vrai. Guette Allah qui nous crée une de nous, guette un dimoun qui est malade, bizarre, fait dialyse. Guette quand c'est le temps qu'il prend, quand c'est le gain de douleur, mais c'est seulement pour nous, pour le travail, frère. C'est Allah qui nous crée ça. Deuxième exemple qui nous prend, nous liger. Parce qu'aujourd'hui, quand moi c'était un portable, comme on nous dit, demande Banzenes, j'ai une caméra, j'ai basé sur ce pixel. Pixel, c'est quoi? C'est ça même qui fait nous trouver à travers la couleur. C'est même qui fait nous trouver ça là. L'autre va se trouver photo noir blanc. Mais comment on a mis une couleur avant, à se dire? Parce que découvrir un pixel amène nous pour tirer une photo là comment il était vraiment. Qui garde des quantités de pixels et dans des millions de pixels dans un léger pour que quand nous guettons, nous trouvons tout ça coulé à l'un seul coup, sans qu'il dérange un. Chers frères, quand nous guettons hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit nous petit punition qui est là dans l'enfer, c'est un soulier en jiffé qui mettait qui fonne la cervelle en dimoun. Ça petit punition qui est là. Ça hadith là. Mais seulement en entendant ça hadith là, quand nous pétons, il y a une petite chose qui vient à l'oreille. C'est quoi? C'est qu'il me plat les pieds et a une connexion avec mon membre, les causes qu'il y a mon cerveau, oui non. Aujourd'hui, on appelle ça réflexologie. Je joue avec ban point, je pèse ban point de ou plat les pieds pour ban malade qui n'a de ou l'écho. Mais je trouve ça étonnant et que c'est un ban a qu'on fait ça. Mais ça a dit ça depuis qu'on finit fait toi qu'on est, qui de te plat les pieds, de relier avec ton cerveau. Aujourd'hui, chers frères, je rentre dans ta base, dans la boutique, je donne 50 roupies au peuple. Je dis, je vais mettre ça dans mon portable. Il est pesé, je vais copier qu'on soit là, titit, fini rentrer. Oui, mon gagné, allez, merci. Qui vit ça? Aujourd'hui, mon cousin, l'Angleterre, m'a envoyé un message là, Je ne peux pas poser mon portable, on va finir répondre moi. Qui vit ce qui ça? Nous tout étonnés avec ça. Mais nous avons oublié quand nous pouvons morcer pieds ni. Les temps en question pique dans mon pied. Je me lève mon pied de suite. Qui ne passe là quand il pique dans mon pied? C'est qui quand il pique, il y a un message dans nos cerveaux. Dis-nous en bas et la douleur, risque du pied. Il descend, il y a la maurice du pied là. Qui vit tes scènes passées, frère? Gête mon cerveau côté. Gête mon plat du pied côté. Les pieds peinent l'esprit là-dedans. Comment il connaît bien les vélis? C'est mon esprit qui parle dans l'affaire, ça l'éveille.
Les temps des pieds là piqué, qui vite sa message là monté. Pour trouver un téléphone des pieds en place. Je dis, nous pouvons tenir pour technologie, frère. Mais get Allah comme un créneau. Et sa robe là, li simplifie li. De deux mots. De surat Dhariyat, quand il dit nous, wafi anfusikum afalatub surun. Et deux autres, l'écho. Mais tu vas trouver. Ça me dit nous, frère. Allah ne dit pas nous. Et dans ton écho. Dans ton nafs. Tu vas trouver comment un chrétien. Ça, comme ça, c'était frère. Combien d'exemples vous avez gagné? Combien d'exemples? Dernier comme l'exemple, moi, m'aurais dit à où? Parce que ça, il retourne la méditation d'une personne pour qu'il ait une capacité sur robe. Et ça, faudrait dire mouna, il comprend vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire concernant ban di moun qui pense li quand je médite la création, les ciels et la terre, changement qui est entre la nuit et le jour. Parce qu'il y a une personne qui croit dans Allah, c'est un de ban aspect essentiel autre que ban ribadat qu'il fait, c'est qu'il médite beaucoup. Il médite. Donc c'est pour ça, chers frères, combien les temps, etc. Où trouve tu as un groupe du monde, tu as envie à le Titanic en bas la mer. Il n'arrive pas ça qui n'arrivait pas ça qui est avec nous. Mais seulement pour le découvrir qui n'arrive pas, il besoin prend un instrument ultra. La technologie, Zis pour gagner la lumière de fond la mer, afin qu'il trouve quelque chose devant. Connais-tu ce qu'il fait? Parce qu'il dans fond la mer, pas trouve non rien. Ou pas trouver. Pas trouver. Quand je ne connais dans fond la mer, pas trouve non rien. Faudrait que je invente. Ban kitio qui capable descendre dans la mer avant. Les là avec les temps, on a trouvé tant que nous rentrons dans le fond la mer, pas trouve. Pas trouve non. Mais moi les temps m'ont lié sur la 24 sur la Anour. Les temps m'ont get mon robe capé décrire moi qui appelle noirté. Il y a une comparaison quand tu es dans le fond de la mer, il dit que tu es dans la mer, tu mets devant toi, tu ne trouves pas la mer. 1400 ans de cela, oh Allah, comment tu nous ça? Dans le surah Nour, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, même que tu es dans la mer, tu mets devant toi, là, 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 qu'est-ce que tu étais là, frère? Je tape, mon nez, là, 2 cm. Allah dit, même tu mets la mer, là, tu ne trouves pas la mer. Tu ne vas pas trouver ça la mer, là. Qu'est-ce que tu as dit nous, ça, frère? Pas besoin de l'aime. Parce qu'il y a qui crée la mer là. Il y a qui crée la mer là. Comme il y a merveille comme ça, Ina, de nous la vie tous les jours, qui m'ont manifesté capacité à Allah. Chers frères, où on vit, proclame ce grandir de sa création, quand on médite le lit, meilleure posture qui est là, c'est ça qui nous appelle le recours. Mais il y a posture qui est là. Connais ça, Ibadat, dans sa place, dans ce moment, il y a une autre valeur, ça frère. Il y a une autre valeur. Guette là, nous en prenons ensemble, tel biya, la bec, Allahumma la bec, ok. Mais seulement demain, quand vous êtes dans les ihram, ou dans l'état ihram, quand vous pouvez y aller, là, il y a une valeur. Là, il y a une valeur. Ou envie proclame grandir ou robe, ou get partout, mais dit subhanallah, mashallah, mashallah. Il est bon, lui. Mais seulement, il n'a plus poids quand ou dans le cours. Donc, pour me rendre dans le cours, je ne peux pas venir mon faire le cours comme ça. Je suis obligé de faire namaz. Faudrait me comprendre que quand je peux finir ma lecture, arrêter un moment.
La cause, les sunnes qui, quand termine lecture, qu'il soit pour imam ou bien individu qui fait namaz tout seul, il ne pas enchaîner takbir ensemble, il arrête un moment. Ensuite, il dit Allahu Akbar, les layal de rukou. Parce que quand il finit lire, elle lui donne sur les cours même posé. Ensuite, il remazine grandir Allah, Allahu Akbar, Allah plus grand. Allah plus grand. Ensuite, quand on va dans le rukou, dans qui posture, mon père, les frères, ces postures qui plient bon, plient propice pour me montrer grandir mon robe. Ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, quand tu as rukou, fais ta azim te robe là-dedans. Proclame ce grandir. C'est pour ça qu'il dans le rukou, nous avons ça pour nous terminer. Ensuite, après, inshallah, nous continuons. Subhan. Ça nous finit prendre l'idée depuis. Subhanakallahumma. Subhan. Rabbi. Rabb. Faudrait sa première bela sonner. Rabbi. Pas Rabbi. Rabbi, parce qu'il y a deux bela. Enna, il y a soukoun. Enna qui prend kasra. Rabbi. Livin Rabbi. Un long voyelle, parce que c'est mon robe là. Donc, comme au dans Roku, comme on peut faire tardim Allah, on peut faire tardim qui s'en a, mon Allah. Pas hésiter pour dire les frères, on peut faire tardim qui s'en a, mon Allah. Parce qu'il me dit Rob, Robbi. Frère, vous avez dit Allah pour moi? Pour moi, ça, mon Allah, ça. Oui, évidemment, sous les jours, je dis, ah. Ou il a sa privilège pour dire Allah pour moi, mon robe ça, Rabbi, mon robe. Subhana, Rabbi, risque non voyelle ça. Faudrait ça un moment qui vous peut dire Rabbi, ou ressentir, oh là, moi avec tout mon manque, tout mon péché là, vous avez un droit de dire pour moi? Oui, vous avez un droit vrai. De tout le monde, c'est ce que vous pouvez dire là. Ensuite, il dit Al. Ah, lui, un long voyelle. Un long voyelle. Point à faire ressortir pour nous terminer. Subhana Rabbi Al-Azim. Pas Subhana Rabbi Al-Azim. Il n'est pas venu Rabbi Al-Azim, frère. Nous pas pour réussir comprendre qui nous peut dire si nous attachons Rabbi avec Al-Azim. Faudrait, comme on peut dire, Subhana Rabbi, gloire à toi, te sans défaut, ô mon Rabbi, Al-Azim, vraiment te grand toi. Ça, Al-Azim, là, c'est un adjectif, une façon qui me décrit, ça qui me fait dire les mêmes mots, mon Rabbi, Inch'Allah, après, nous. Nous continuons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.